Salut tout le monde, c'est Fane, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve toujours avec le micro pourri, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. On va essayer de faire abstraction et de ne pas trop y penser. Et on va continuer donc l'aventure de Spyro, le petit dragon. Je suis chaud patate. Là, je suis chaud patate pour faire un épisode aussi chaud que les flammes de ce dragon. Comparaison un petit peu nulle, mais comparaison quand même. C'est pas grave. On continue. Donc, l'autre jour, je ne sais même plus quel monde on avait fait. C'est vrai que ça fait un moment que j'ai tourné quand même. J'ai un trou de mémoire, bon, c'est pas très très grave. C'est vrai que ça fait un sacré moment que j'ai tourné. Ça doit faire pas loin de deux. Une semaine et demie, 2 semaines, je sais plus. Je sais plus, je m'en souviens plus. Je crois qu'on avait fait celui-ci. Hein. Call de Faille, oui, on avait fait celui-ci. Il nous manquait une boule parce qu'il fallait qu'on apprenne à charger de front, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc, bon, bah, on va continuer. On va faire cône magmatique. Bon, bah, cône magmatique. Cône magmatique. C'est dur à dire. Cône magmatique. Ouais. Non, c'est juste moi qui suis fatigué. Comme d'habitude. En fait, en même temps, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai l'impression que je suis tout le temps fatigué. Donc, c'est un petit peu le problème aussi, je pense. Du coup, je règle un peu le son au passage. T'as eu de la chance, toi. Un petit peu, hein. Ouais, tu ferais bien de te dégager. Non? Non, de dégager même pas. Bon, bah tant pis, tu veux pas. Tant pis pour toi, hein, on t'aura prévenu. Ouais, bah ça fait plaisir de retourner sur Spyro un petit peu quand même. Hop. On va récupérer ça avant de lui parler. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. C'est parti. Qu'est-ce que tu nous veux? Salut Spiro, je Salut. suppose que tu es venu pour la fête. Ouais. Malheureusement, elle a été annulée à cause de ces stupides modeleurs de terre qui ont activé le volcan. Oh les cons. On va leur péter la gueule, il n'y a pas de souci, les modeleurs de terre, nous, voilà, ça nous connaît, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur péter la tronche et on va faire en sorte que la fête elle se relance parce que quand même. Mais dégage toi. Elle se relance parce que nous on a envie de faire la teuf quand même. Ok, alors eux pour les tuer les gros. Ah! Et ils sont chiants eux, dégage là! Pour les tuer, il faut les emmener sur la Croix-Rouge. D'accord. Quand je parle de la Croix-Rouge, je parle pas de celle avec Adriana Carambeu. Hein. C'est pas la même. Ne pas confondre. Hein. On parle pas de la même là. Hop, on se pousse de ça parce qu'à chaque fois je me fais avoir. Oh! Un joyau à 10, j'aime bien. Oh toi! Dégage toi. Ah oui, ils sont chiants. J'aime pas quand ils nous courent comme ça, là-dessus, voilà, dégagé. Bande de petits cons, va. On peut pas rentrer là-dedans, non? Hop, tiens, l'escargot. Redonne-moi un papillon, s'il te plaît, merci. Ok, bon, bah, on va gravir l'échelle. Hein. Hop, on va faire ça comme ça. Qu'est-ce que c'est par là? C'est de la lave. Oh oui, mais il y a des joyaux aussi. On va essayer de les récupérer tranquillement, voilà, sans tomber. Ça serait bien. Ah, mais j'avais pas fait ce côté, ok. Enfin, je sais pas si je peux monter en fait. Non, je peux pas monter. Bon, c'est pas très grave. Bon, comme vous l'aurez remarqué, je suis quasiment plus malade. Je parle plus du nez, enfin presque plus. Ça fait plaisir parce que je commençais à en avoir marre un petit peu. Je suis resté malade pas loin de 2 semaines, voire presque 3. Donc c'est vrai que pour faire des vidéos, quand t'es malade, c'est tout de suite moins cool. Hein. Tu parles du nez, t'as envie de tousser, t'as le nez qui coule. C'est un petit peu chiant, c'est un peu relou. Là, normalement, ça devrait le faire. Hein. Ça devrait être un petit peu mieux quand même. Depuis le temps, hein, j'ai envie de vous dire, en même temps, c'est pas trop tôt. Hop. Alors avant de s'attaquer au gros, on va essayer de prendre les joyaux qu'il y a ici. Voilà. En mode tranquillou. Bon, je suis peut-être un peu moins énergique que d'habitude. Hein. Je vais raconter un petit peu ma vie parce que les vidéos, voilà, c'est fait aussi des fois pour parler un petit peu de sa vie, même si certains s'en foutent. Mais bon, quand même. J'ai très très mal dormi cette nuit. Mais vraiment très très mal. Est-ce que ça passe là? Oui, ça passe, nickel. Je me suis couché assez tôt parce que pour tout vous dire, je passe le permis. Enfin, ma conduite, et normalement j'ai l'examen du permis le 25 novembre. Et ce matin, j'avais conduite à 8h du matin. Donc, du coup, je me suis couché assez tôt, à 22h30. Seul souci, c'est que je me suis réveillé à 3h du mat et que j'ai pas réussi à me rendormir après. Autant vous dire que là, j'ai la tête dans le cul. J'ai dormi
5 heures à tout péter, même pas, non, moins de 5 heures. Donc je sais que pour certains, c'est largement suffisant. Moi, je suis un gros dormeur et c'est pas du tout suffisant et j'ai la tête dans le cul. Donc si vous... Enfin, excusez-moi de l'expression, c'est un peu mal poli, mais c'est véridique. Donc si vous voyez que je suis un peu mou, voilà, bon, ça change pas d'habitude en même temps. Je suis souvent mou, je ne parle pas que de la fatigue. Non, pardon, excusez-moi, c'était dégueulasse. Si vous voyez que j'ai pas la pêche, c'est normal, ne vous inquiétez pas, hein, je me rattraperai, on fera des épisodes plus énergiques que ça, la prochaine fois je prendrai du café, hein, ça ira mieux. Et ouais, bon, ça sera bien. Je vous avoue que je suis aussi encore un petit peu dégoûté beaucoup du micro là, qui est... Enfin, le micro, non, il va bien, normalement c'est le fil qui est mort, il faut que j'en rachète un, ça, j'y vais samedi. Faut que j'en rachète un fil samedi, mais c'est vrai que ça me fait un peu chier. Mes potes me disent que le micro ça passe, bon, je leur fais confiance. Hein. Mais c'est vrai que c'est un peu rageant quand tu passes d'un bon micro cardioïde à ça, ça fait chier un peu. Mais bon, si ça passe, tant mieux, c'est le principal. Je raconte beaucoup ma vie dans cet épisode, mais bon, ça fait pas de mal de temps en temps. Voilà, on parle de choses et d'autres ensemble. Là d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai encore perdu des abonnés. Donc on était à 76 abonnés, je suis retombé à 70. Je vais pas vous mentir, ça m'a foutu un petit peu les boules quand même. J'espère que je vais les récupérer. Bon, on verra bien, ça sera la surprise. C'est vrai que pour le moment, j'en ai perdu 6 en quelques jours, je sais pas pourquoi. Donc est-ce que c'est parce que j'ai fait du Call of? Pourtant les deux dernières vidéos que j'ai fait, c'est du Call of. Elles ont mieux marché que limite les 5 dernières vidéos que j'ai fait. Fait ou faites, je sais plus, ouais, enfin bon bref, et c'est vrai que je comprends pas trop là pour le coup, donc je sais pas du tout. C'est pareil, il y a eu un bug de YouTube dès le premier jour, j'avais atteint les 51 vues sur ma vidéo zombie de Black Ops 3 et puis je suis retombé à 37 le lendemain. À savoir pourquoi, je ne sais pas, j'ai pas du tout compris. Bon bah c'est comme ça, en espérant que ça m'en fasse plus des siennes de ce genre quoi. Je l'ai vu le panier hein, là-bas, ne vous en faites pas. Je grimpe juste parce que je sais pas comment on fait pour y accéder. Ok, on va essayer de... Ouais, par là, on peut passer par là, d'accord. Par contre, si tu pouvais lâcher le truc, merci. Ensuite, ok, on peut repasser par là. Tiens, qu'est-ce qu'il veut nous faire payer, lui? Je vais prendre ça d'abord. Oh, mais il y a masse de vie, hein. Regardez. Oh mais 3 vies, mais c'est génial ça. Et bizarrement, ça présage rien de bon. S'il y a autant de vie, il y a peut-être un boss quelque part. Hein. Va falloir se méfier. Par contre, alors, ils sont où les... Et on est d'accord qu'il y avait des coffres pas loin. Non. Ah non, c'est un escargot. Oh putain, c'est pas sérieux. Putain, je croyais que c'était un coffre le truc là-bas. Oh la loose quoi, je suis obligé de tout me retaper. Vas-y, bon, c'est parti, qu'est-ce qu'il nous veut? Tiens, tiens, mon client préféré. Ouais. L'ascenseur dans la pièce voisine peut t'amener au volcan. Ok. Tu peux l'utiliser à volonté contre un forfait d'a... Ok, ok. On va payer 200 joyeux, de toute façon on est pété de thunes, c'est pas grave. On va les rattraper vite fait, bien fait. Hop. Vous voyez quand même, le mec est tellement con qu'il a pas pensé à ramasser les joyaux qui étaient par terre là. Sans dire qu'il est vraiment bête. Oula. Bizarre ce volcan. Ok. J'ai pas osé sauter directement. Je savais pas si on pouvait tenir ou pas. Enfin si on pouvait mourir ou non. Plutôt. Ah le salaud. Ok. On va essayer de pas tomber. Je suis sûr qu'elles servent à quelque chose, les boules là, qui flottent là. On est d'accord. D'accord. Ouais, c'est cool, mais ensuite... Ok, on va récupérer ça déjà. Je suppose qu'il faut monter par là, ouais. Ok, c'est l'épisode de l'escalade là. Ah oui, ouais. Si je me prends la pierre, ça va moins bien marcher. Oh, mais non, mais... Oh, putain. Genre, il s'est pas accroché, l'autre, là. Non, mais sérieux. Bon, on y retourne. Je suis sûr qu'on va tomber. On va perdre une vie.
Peut-être pour ça qu'il y avait autant de vie aussi. Hein. Allez, ça passe tranquillou, voilà. On va essayer de monter un maximum, comme ça on peut ressauter. Voilà. Je suis en mode concentration ultime là. Ok. 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 Mais non! Mais non! Genre ça me touche quoi. Non mais c'est n'importe quoi là. C'est quoi ce truc là-bas là? C'est une pièce ou pas? Non, c'est pas une pièce ça. Bon, c'est pas grave. On va les esquiver tranquillement. Voilà. Je comprends pas comment elle a pu me toucher la pierre. Je comprends vraiment pas parce que j'étais pas dessus. Je suis pas d'accord. Je refuse catégoriquement. N'est-il pas? Ok, donc ça c'est bon pour le moment. On va te laisser passer, voilà. Ok. Ok, ça c'est bon. Bon, normalement on passe là. Pas deux fois la même connerie, sérieux. Tout ça pour ça? Merci d'avoir calmé le volcan, Spyro. Ça commençait à chauffer par ici. À propos, ceci est un talisman que je voulais porter pendant la fête. Mais je pense que tu le mérites plus que moi. Ok, d'accord. Bon, on a fini le niveau, mais on n'a pas tous les joyaux, on n'a pas tué tous les ennemis, on n'a pas toutes les boules. En fait, on l'a fini qu'à moitié, on l'a fait à la va-vite un petit peu ce truc. Regardez là, il y a une plateforme. Ok. Ok. D'accord. Et ça mène à quoi ça, tout ça? Il y a encore d'autres ballons là. Je sais pas à quoi ils servent ces ballons là. Ok, on va planer jusqu'au bout. Voilà. Ah ok, c'est des joyaux. Comme la piscine. Piscine des joyaux, c'est génial, j'adore. C'est que d'amour. Ok. Bon, il manque combien de joyaux? Ouais, en fait, ouais, il manque masse de trucs là, on est d'accord. Ça, je suis sûr que ça sert à quelque chose, les boules qui volent là. C'est obligé. Ok, bon, on va prendre l'élévateur là. Je comprends pas par où il faut passer. Ah regardez, bah je suis con, je croyais que c'était salut, le portail. Spyro, la fête salut. Est sur le point de commencer. Enfin ouais. Presque, si ces méchants monstres volcaniques n'avaient pas volé nos chapeaux. La fête sans chapeau, ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. On va te les récupérer tes chapeaux, t'en fais pas. Ah ok, ouais. Je suppose qu'il faut que je prenne ça. Ok. Ok, bon, si je tombe autant de fois... Non mais sérieux, là-haut. Mais c'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Je comprends pas. On va récupérer un petit peu... Ah, vous pensez qu'il faut récupérer les boules de lave, comme ça, là? Putain, enfoiré, va. Ah, je pense que c'est ça, regardez. Ouais, ouais, ça m'a l'air d'être ça. Ok, et 2-1. Ok, je comprends mieux un peu, là. Hop. Et 2-2, du coup. Là, il y en a un, regardez. Et 2-3. Hop, on va essayer de le récupérer. 4. 5. Par contre, faudrait que je récupère un peu de super vol là. Voilà. Ça c'est bon. D'accord, bon, je comprends à peu près le principe. C'est pas compliqué. Une fois qu'on a compris, c'est bon, ça va tout seul. Hop. Il y en a 12. J'ai volé trop bas. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Prends la boule. Voilà.
On dirait des espèces de gâteaux apéritifs, je sais pas si vous voyez, des boules rouges là. Je sais pas comment ça s'appelle, ça me fait penser à ça. Ça me donne faim. J'ai envie de manger des gâteaux apéritifs maintenant, voilà. Merci Spyro, hein. Ça t'incite à prendre des cochonneries comme ça, et puis voilà, maintenant j'ai faim. Spyro, créateur de surpoids. Ah bah bravo la jeunesse, hein. Bravo. Bon, un peu de vol s'il vous plaît. Ça ne serait point de refus. Voilà. Et on va essayer de faire le tour. Non, c'est par là, je crois. Oui, c'est par là. Ok. M'en fous. Je me suis cramé le fessier, mais c'est pas grave. Tu m'as sauvé notre fête. Oh, et ceci a été égaré parmi les boulettes de viande. J'ai même failli me casser une dent dessus. Oh là là, c'est ballot. Mais je la veux bien. Ça mérite quand même une petite bouboule. Hein. Ah. Ok. D'accord. Il m'en manque quand même deux. Et pas mal de joyaux. Ça m'embête un peu. Hop, ok. On peut monter par là ou... Oui, on peut monter, regardez. Ça, j'avais loupé ça, par exemple. Ok. Une pièce secrète. Ah oui, j'avais carrément loupé même. Tu m'étonnes. Allez, voilà, on a tous les joyaux. Bon, c'est cool. Eh, hey, Spyro, t'as vu cette grotte magnifique que j'ai découverte? C'est pas mal. Je te propose un jeu. De temps à autre, un pop-corn en cristal émerge à la surface. Le premier à en attraper 10 gagne. Ok, ok. Vas-y. C'est quand tu veux. C'est parti, ça a pas l'air trop compliqué. Ok. Merde. Ah mais lui il triche, il reste tout le temps au même endroit l'enfoiré. Ah oui mais oh oh. Mais il m'arrêtrape ce con. Ah oui, en fait, le mec a gagné, quoi, limite. Hop. Non, c'est moi avant, hein. Je m'en fous, c'est moi avant. Ah oui, enfoiré, va. Ça, c'est moi. Hop, j'en ai un aussi. 7-7. C'est tendu. Oh, c'est tendu. Loupé. Vite, 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 vite. Wouah, je suis perdu. Where is non. Oh non, sérieux. On réessaye. Mais je suis nul, pourtant c'est pas compliqué, mais... Ah mais salaud. Le problème, c'est que les machins, je vois pas où ils sortent. Et genre, je l'ai pas eu. Oh non, mais... Ça c'est dégueulasse ça. Il va encore me la mettre hein. Tiens, je te l'ai piqué mais comme une merde. Ça c'est à moi. Mais non, mais je l'ai loupé. Regardez, mais la caméra est pas pratique, sérieux. Je veux pas être méchant mais la caméra, bon, le jeu est un petit peu vieux. Donc c'est un peu normal aussi, mais c'est pas ouf quand même, hein. Ah mais je loupe tout, hein. Regardez. Vous avez vu l'avance qui me met? Ah quoique là, je l'ai bien rattrapé quand même, hein. Regardez là, il est à moi. Bon, tu as gagné. Cette boule est... Ok, bon, il va me reproposer une revanche ou je sais pas quoi, je suppose. C'est pas que c'est compliqué, mais la caméra elle est pas top quand même. Hein. Je t'offre alors, une autre boule si tu. Une boule si tu arrives à remporter une autre victoire, cette fois-ci jusqu'à 15. C'est bon, allez, on va jusqu'à 15, y a pas de souci. Ok, oh mais toi aussi t'es un tricheur. Mais non, mais c'est un truc de ouf! Laisse-en moi, s'il te plaît! Mec!
Mais regardez, il me pique tout. Ah mais s'il me pique autant aussi, c'est pas juste. Là je l'ai pas eu, lui non plus. Ou enfin là tu me l'aurais volé, je t'aurais pété la gueule, excuse-moi, mais bon. Un peu de fair play s'il te plaît. Pas grave, moi j'ai celui-ci. Ok. En fait faut que j'essaie juste d'intercepter ces trucs. Voilà. Oh c'est pas mal là. On est mieux parti. Non. Oh bon bah ouais. Je l'ai foiré. Comme une daube. Oh mais genre je l'ai pas eu. Regardez, on va essayer de lui choper ces trucs. Regardez, on est des voleurs. Ah mais non, mais là, là non, 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 non. Non. Ok, c'est rapide, mais oh, pas en mesure de me battre. Fais chier, fais chier, fais chier, enfoiré. Ah, ça va me saouler. Ça, c'est à moi. Mais genre, il me le pique. Ok, bon, c'est pas grave. On va se rattraper là-dessus. Ok, on est ex-aequo avec lui. Ok. Ah genre je l'ai pas eu celui-ci là. Fous pas un peu de la gueule du monde. Ok. On est pas trop mal là. On est... Ah mais genre... Faut être bien dessus, c'est ça qui est relou. Ah, il nous rattrape cet enfoiré. Hop, toi t'es à nous. Ok, on va essayer de conserver la petite avance qu'on a, mais... C'est mal barré, on est d'accord. Mais genre, mais dégage là, il spawn kill les trucs. Tiens, c'est à moi, dégage, tu pues, t'es moche. Je m'en fous, il a nous suci. T'es vraiment bon, oui, c'est ça, je vais devoir. M'en fous, ça, moi, c'est ma boule. C'est ma boule. J'ai voulu imiter Gollum. C'était ridicule. Je vous l'avoue, j'ai honte. Voilà, bon, le niveau est fini. Je peux rentrer chez moi maintenant, s'il vous plaît. Laissez-moi rentrer. Please. Voilà, s'il vous plaît, merci. Ah, ce fut laborieux aujourd'hui. C'est ça leur fête. Ouais. C'est violent ce qu'il vient de faire. C'est dégueulasse, il vient de le cramer vivant dans la lave. C'est un connard. Il a pas de cœur? C'est sur ces images terribles qu'on va devoir se laisser du coup. J'ai mal à mon cœur là. Le pauvre. Bon bah si vous avez aimé et que vous voulez rendre hommage à ce jeune truc qui est tombé dans la lave, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à partager la vidéo. Partagez la chaîne aussi, abonnez-vous aux réseaux sociaux pour me suivre. Et voilà, paix à son âme et moi je vous dis à la prochaine. Allez.